Prépare pour le bateau là. Là, on les met en condition là. Hein, ils quittent le monde du travail et ils arrivent dans le monde de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, de l'amusement, de la croisière. Ah voilà. Alors, moi, je suis là pour les clac, clac, clac. Travailler sur un bateau, c'est pas innocent, c'est parce que peut-être on a envie de fuir. Buongiorno, Sara! Buongiorno, Seigneur, et bonjour à tous. Non, on a peut-être envie de fuir des choses, hein. On a peut-être envie de partir, on a envie de quitter la famille, de quitter peut-être celle qu'on aime, celui qu'on aime, ça dépend qui on est. On a peut-être envie de refaire le point sur sa vie. Non, c'est... Ça va loin d'aller travailler sur un bateau. Hein. Je ne dis pas que c'est une vie monastique, mais il y a une recherche, il y a un besoin de quitter, il y a un besoin de partir. Donc ça. Messieurs les psychanalystes, messieurs les, hein, ceux qui analysent, là, il y a quelque chose à trouver. Moi, j'avais envie de partir aussi. Moi, j'avais envie, à 44 ans, de me retrouver seul, dans ma cabine. Alors ça, j'y suis seul dans ma cabine, il n'y a pas de problème. Mais j'avais envie aussi de travailler, d'affirmer mon travail, de rechercher, d'aller plus loin. Et là, un bateau, ça donne l'occasion de le faire. Hein ? C'est comme un nouveau départ ? Ouais, ah, c'est comme un nouveau départ, c'est vrai ça. C'est comme un nouveau départ, on revit. C'est... Allez, je ne vais pas dire que c'est initiatique un bateau, mais c'est un autre monde. On quitte la Terre, on rentre sur un bateau. Là, il y a quelque chose qui se passe. Hein. C'est notre vie. Déjà, physiquement, c'est autre chose. Une porte, c'est dur. Les couloirs, la ferraille, tout ça, c'est enfermé. Ça, c'est un rond. Hein. Il y a des ondes de partout là, qui se... Donc là, c'est déjà une démarche. Il faut avoir envie de le faire. Le Mistral, véritable géant des mers, est sorti il y a quelques semaines des chantiers de l'Atlantique. Il appareille aujourd'hui avec 1500 passagers à bord pour l'une de ses premières croisières. Pour les touristes, c'est la promesse d'une semaine de repos, de soleil et de découverte. Pour l'équipage, c'est avant tout une période de travail sans relâche qui recommence, dans un monde flottant à l'organisation et aux règles bien particulières. Pour débuter sa carrière commerciale, le paquebot propose la découverte des îles grecques. Chaque semaine, pendant 4 mois, il effectue le même trajet et s'arrête aux mêmes escales. À chaque début de croisière, la soirée de gala du commandant donne pour les passagers le signal du départ des festivités. Biche, j'aimerais bien que tu me mettes ma cravate. Que tu me l'ajustes. Tiens, voilà. Tu es beau comme un dieu. Oh là. René et Maurice, jeunes retraités, en sont à leur 5e croisière. C'est mes chaussures. Ouais. Cette fois, ils viennent fêter leur 40e anniversaire de mariage. Et on y va. La soirée du commandant, c'est quelque chose, hein? Oh, bah, c'est un événement dans la croisière, oui, il faut le faire. C'est l'occasion de sortir un petit peu les tenues habillées, de se sentir plus jeune. Et on fait honneur à ces dames qui veulent bien nous voir dans notre meilleur élément et en pleine forme, voilà. Et puis c'est peut-être pour d'autres femmes, je ne sais pas, enfin. Voilà, il a un culot monstre, alors comment pour d'autres femmes? Pour le gala du commandant, la tenue de soirée est de rigueur.
Sur les croisières, on cultive le goût de la nostalgie. Et le temps d'une soirée, on recrée l'illusion du faste des paquebots d'antan. Regardez-moi. Vous en faites une dernière. Regardez-vous. Tournez les épaules. Voilà, regardez-moi. Merci. S'il vous plaît, madame. Puis-je vous présenter le commandant des cousins? Bonjour, madame. Enchanté. Bonjour, monsieur. Donc, qui est le capitaine des cousins, quoi, je t'aime. Je vous présente le commandant des cousins. Bonjour, madame. Enchanté. Chaque semaine, en l'espace de 2 heures, le commandant sert près de 1500 mains. Merci. Je vous présente le commandant des cousins. D'accord. C'est une partie du travail que vous aimez bien, ça? C'est une partie du travail, c'est traditionnel, donc dire que j'aime ça ou pas, de toute manière, ça fait partie du travail, voilà. Bonsoir, Guten Abend. Guten Abend. Bonsoir, madame, monsieur, votre photo avec madame. Oui. Merci. Richard est le responsable de la restauration sur le bateau. Il a plus de 200 personnes placées sous ses ordres, soit près de la moitié de l'équipe. La bouilloire commence à chauffer là. Comme les gens rentrent petit à petit au restaurant, et ben, tout s'enchaîne là. Chaque soir, Richard surveille la cuisine. L'organisation doit être impeccable, tout est minuté. En 3 heures, il faudra servir 1500 repas en 2 services consécutifs. On a remis du filet dans le four, on est bon, on est well done. Il n'y a aucun problème. Le lobster, là, 154. C'est pas vraiment la restauration collective, c'est pas de la gastronomie non plus, c'est différent. Une opération de bateau, ça doit sortir quand même avec une certaine présentation et qualité sur l'assiette, mais multiplié par 1000, 1500 passagers. La croustade de champignons a l'air sympathique. Pièce de bœuf rôti a l'air sympathique. Ça, c'est la crème. Ça te dit quelque chose, non? Je prends une pièce de bœuf rôti aussi. On est vraiment sur un pass flottant. On n'aurait pas l'idée, nous, en tous les cas, d'aller tous les soirs dans un grand restaurant, dans un restaurant élégant. Bon. Alors que là, ça nous paraît tout à fait normal. Là, c'est quand même un petit peu le luxe, quand même, quelque part, qu'on apprécie d'être un peu pris en main, choyé. On rentre dans la chambre, tout est ça fait partie de la croisière. Du plaisir, voilà. Le côté luxe, le côté plaisir aussi. Le côté plaisir, agréable. Non. 13. So you come back for one fish. Okay. No, you come back. Let's go now. Go, you come back. What is this? Where's the ticket? I'm coming back to put it there. Are you come back to put it there? No. What is your number? 1. And why you don't take the ticket? I have it in my pocket. Ah, you have it in your pocket. Yeah. You don't live on there, hein? No. Je me rase tous les jours parce que je peux faire le reproche à un de mes employés s'il n'est pas rasé. Et puis je souris tous les jours, comme ça je peux faire le reproche si quelqu'un ne sourit pas au passager. Il me passe dans le dos, là. Moi, dans ma position, avec 200 mecs derrière, même si j'ai un coup de blues, je ne le montre pas, je garde ça pour moi. Parce que si moi j'ai un coup de blues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc c'est comme ça aussi qu'on motive son équipe. Hein. Si on montre qu'on est fort, eh ben, on va avoir des gens forts avec nous. Ok, you're not busy enough here. Go lobster line. C'est bon.
Là, je contrôle si ils prennent bien le nombre d'assiettes qu'ils ont demandé. Pour empêcher un peu la fraude, oui. Moi, si à la fin du dîner, il me reste des langoustes, c'est pas un problème d'en donner au serveur à la fin du dîner. Mais je veux pas avoir manqué de langoustes pour les passagers. Enfin, les langoustes sont autre chose. Hein. Mais bon, maintenant, il y a un bon climat. Le personnel a bien à manger aussi, donc ils ont pas de raison de voler. Hein. Ils n'ont pas de raison de se servir ailleurs. Là, quand le dîner va être terminé, on va leur faire une ligne et ils vont se servir. Donc, ils auront leur dîner aussi. Let's go for the line, hein? Come on, let's go. Enjoy the line. Opa! J'ai faim. Bonjour. 6h du matin. Une nouvelle journée de travail commence pour les 550 membres d'équipage. À bord cohabitent 40 nationalités. Depuis l'inauguration du bateau, les membres d'équipage n'ont guère eu le temps de se rencontrer. La charge de travail est trop importante, entre 12 et 15 heures par jour. Comme il est d'usage sur les paquebots, l'équipage travaille 7 jours sur 7. Il n'a ni protection sociale, ni congé payé. Marilyn est femme de chambre. À 42 ans, elle se replonge ici dans le monde du travail après une longue période de chômage et de galère. Célibataire, sans enfant, elle se retrouve aujourd'hui seule ou presque dans un univers inconnu. Une façon de fuir la triste et banale plongée vers l'exclusion sociale. C'est la première fois que je travaille sur un bateau, bien sûr. Et bon, c'est sûr qu'au départ, c'était très difficile, quoi. C'était assez difficile et donc la vie est différente que sur Terre, quoi. Je ne veux pas dire qu'on est sur une planète Mars, mais là, que pour travailler et dormir, parce que bien sûr que tout le monde se repose et il faut qu'il dorme, parce que je suis sûre qu'il y a encore des personnes qui font des horaires pas possibles sur ce bateau. Et moi, c'est sûr qu'il faut dormir et travailler. Voilà. Et rien d'autre ? Et rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre pour nous. Pour l'équipage, il n'y a pas grand-chose. La Polypilot, Passenger Ship, Mistral Cognova. Voi avete qualche notizia circa Igor Grabar? La baie de Naples, avec le lever de soleil sur le Vésuve, là c'est toujours magnifique. Là, ouais. Et on voyait Capri un peu au loin, là, c'était très beau. Hein. En passant entre Ischia et la côte, c'est une belle arrivée. Ouais. Mais il faut être matinal. Ça fait une partie des plaisirs du marin ? Oui, oui. Ouais. Enfin, moi, tous les marins apprécient, hein, de toute manière, mais c'est le côté poétique du marin.
Racing 0907. Déjà essoufflé, mais ça ira mieux après, quand j'aurai pris le rythme. Marilyn, c'est un nouveau métier pour vous ? Ça, c'est sûr, c'est un nouveau métier. Qui est quand même un peu intensif, quand même, parce que c'est physique. Et bon, ça me plaît, parce que c'est surtout pour voir les personnes discuter, les personnes très sympathiques. Bon, c'est sûr que c'est pas intellectuel comme travail, hein. Ça, c'est certain, mais je fais un peu de restauration, je fais de la décoration bijouterie, j'ai fait un petit peu de travailler un peu en discothèque. Bah, c'est pas le summum, hein, pour moi. Hein. À vrai dire, j'aurais voulu être une femme d'affaires, mais c'est pas du tout le cas. J'ai pas eu d'opportunité de ce côté-là et... C'est pas... C'est pas un métier dont j'ai rêvé, quoi. Le travail, on n'en trouve pas tous les jours. Qui est très difficile à trouver maintenant. Et faut prendre ce qu'il y a. C'est pas laver les toilettes et d'avoir les mains cassées. Puis d'avoir des crevasses aux mains. Les gants, j'en mets pas parce que j'y arrive pas, ils sont 10 fois trop grands. Bon, je fais tout à main nue. Marilyn ? Oui ? Un sac ? Ouais. C'est-à-dire ? Alors, ok, le sac rouge. Quel sac rouge ? Là, le marron. Vas-y, le rouge. Quand on trouvera un moyen plus tard, parce que là, je vais jamais arriver à finir. Et on regardera un peu plus tard pour son... Parce que je ne veux pas faire des essais maintenant. Dites-moi, Marilyn, en venant sur ce bateau, vous avez tout quitté ? J'ai tout laissé, oui. Appartement, voiture, téléphone, j'ai tout laissé. Parce que ça ne sert à rien de voir tout ça. Étant donné qu'on vit plutôt sur le bateau, on est nourri, logé, blanchi. Donc, c'est pas la peine d'avoir de l'autre côté la même chose. Donc, actuellement, vous n'avez plus rien ? À part une adresse, quand même. Sinon, j'ai plus rien. Je repars à zéro. Et souvent, hein. C'est pas la première fois, mais et j'espère que cette fois-ci, c'est la dernière fois, parce que c'est de recommencer à zéro sans arrêt. On se demande si les années passent et on se demande si un jour on arrivera quand même à s'arrêter, à stabiliser, avoir un équilibre, surtout, de vie. La sortie d'un paquebot neuf s'accompagne souvent de problèmes de mise en route. Le Mistral n'a pas échappé à la règle. Difficile de faire vivre et travailler en harmonie un équipage tout juste recruté. Nixon ! Yes ! Venga, venga. Depuis le lancement du navire, Richard doit chaque jour improviser pour remédier au manque de préparation. Leave me alone 5 minutes here. We have a very bad comment from the table 49 last week. I really want to find out what happened. Because it's not the first time also for you that I have a complaint. Maybe for that, everybody has a problem because nobody speaks French, nobody speaks German. Speaking is one thing. Put the bread at the right moment, put the glass of water at the right moment, serve correctly the water and put the fish knife when it's a fish and the steak knife when it's a steak. This is nothing to do with the language. Yes, I know. Smiling. Because I waited told me, no, you put the... Put the chair for the lady, serving the lady first. This is nothing to do with the language. On your station, you might have a... 5 English, 5 French, 3 German, 2 Japanese. Okay, you don't speak 5 languages, fine. I don't speak all the language.
I know, Mr. Sri. But I know you had already some problem, Nixon. So you consider this time the last. It's the last time I have a bad comment about you. ¿Qué pasó en la casa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No problema? No. So, ¿quieres trabajo ahí, no? ¿Tú quieres trabajo ahí, no? Claro que sí, que todos venimos por trabajo, ¿no? Porque tenemos necesidad. So. Si los problemas siguen así, mejor me voy, ¿me entiendes? How you say good morning in German? Good morning, no? Bravo. In French? French? Bon. I give you a list of French. Okay, no problem. You will learn. You will learn with me. Okay? Yes. Bonjour, au revoir, merci. Ça va, it's good, no? Ça va. Ça va, monsieur. Ça va, monsieur. Ça va, madame. Bon appétit. Yes, Dad. Bonne journée. OK? Yeah. I'll give you a list later. Yes. Vamos. Thank you. OK, you're welcome. You know I don't like that, eh? Fiorello, l'amore bello vicino a te. Mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Regarde-moi dans les yeux. Eh ben la moquette, c'est terminé. Là, là, c'est là qu'on vit, on est au pont 4. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est le domaine réservé d'équipage. Ici, c'est only crew, c'est the crew, c'est uniquement le crew. Voilà, il n'y a pas de passagers ici. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est des conditions de vie particulières. Hein. C'est on est dans le fer, là. Il n'y a plus de hublot, il n'y a plus rien. Là. Là, c'est vraiment notre monde à nous. Et c'est notre nid, quoi. C'est notre maison, ça, ici. Le pont 4, c'est des galeries, un labyrinthe un peu. Et attention, toujours des portes d'accès. Toujours des portes d'accès sur le monde. Voilà, le monde là. Hein? Hop! Ça repart sur la moquette. Hello! Hello! Hello. Oui. Ça, c'est notre monde. C'est là où on vit. C'est là où on va être obligé de vivre de toute façon. Donc il faut bien s'y faire. De toute façon, si on ne s'y fait pas, on ne peut pas rester. Voilà. Oh là là, faut pas regarder le rangement. Alors ça. On va mettre la petite barre. Parce que ça, c'est-à-dire que là-bas, ce qui est bien, c'est que le monde extérieur, on n'est pas complètement fermé. On a encore une ouverture sur le monde extérieur. Alors ça, c'est mon copain qui est au-dessus. Hein, il ne fait pas son lit. Moi, je fais mon lit. Pas tous les jours non plus. Alors ça, c'est parce qu'hier soir, il était déguisé. Là. Il y avait une soirée carnaval. C'est pas grand luxe. Ah non, c'est petit. Hein. Ça, c'est... Bah, on s'arrange, hein, les serviettes, on a même le peignoir, c'est de la caravane améliorée, quoi. Bah, le luxe, il est au pont 6, il est au pont 7, il est au pont 12, il est dans tous les autres ponts où il y a les activités de loisirs, quoi. Ici, on est là pour dormir, c'est le motel, quoi. Moi, souvent, je pense que ici, c'est un peu la cellule, des fois. Faut quand même pas voir ça comme ça. Mais, il y a des fois où on aimerait bien quand même avoir Des fois, on a envie d'être chez soi. On rêve de temps en temps au monde extérieur. Ben ça, c'est notre hublot à nous, ça, c'est la première chaîne. C'est beau, la mer, on s'en lasse pas. C'est jamais pareil, il y a des tas de choses dans la mer si on prend le temps de regarder. C'est d'avoir un couteau qui soit... Pendant les moments de navigation, les passagers se pressent sur le pont supérieur, où les animations se succèdent. De préparer. Soleil, piscine, farniente, en attendant la prochaine escale.
Chaque jour, le bateau accoste dans un port différent. Les passagers ont alors quelques heures pour découvrir la région. Pendant ce temps, à bord, le travail continue. Les danseurs du bateau présentent chaque soir un spectacle différent aux passagers. Pour la plupart d'entre eux, c'est leur premier contrat professionnel. Venir ici leur permet de faire leurs armes dans le métier et d'être confrontés chaque soir à la sanction du public. Clarisse a 20 ans. Elle sort tout juste de son école de danse. Elle a signé un contrat de 11 mois. C'est la première fois qu'elle part aussi longtemps loin de chez elle. Là, vous tournez. Là, vous regardez bien là-bas. Pour Clarisse, c'est une expérience unique. Une façon de découvrir le monde en gagnant de l'argent. Nourrie, logée, blanchie, elle touche 8000 francs par mois. C'est sympa, les francs. Il y a du boulot, quoi. C'est clair. Non, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est assez dur. C'est vraiment une technique. Enfin, c'est vraiment un truc à part, quoi. J'ai un peu de mal pour l'instant, mais ça va venir. Le groupe des danseurs, c'est un peu particulier sur le bateau? On est des privilégiés. Bon, on est quand même vachement privilégiés. On n'a pas d'horaire précis. Enfin, ça peut changer, c'est adapté à ce qu'on peut faire, si on a envie de dormir. Enfin, c'est. Pour nous, on s'organise comme on veut, ça c'est super déjà, quoi. Puis bon, on a quand même pas mal d'avantages, quoi. On est quand même assez libre. C'est pour ça qu'on est quand même privilégiés, quoi. Enfin, moi, je trouve. C'est-à-dire, par rapport à qui? Par rapport à certains autres domaines. Sur le bateau. Cabin steward, cleaner, serveur, on a vachement de liberté, eux, ils travaillent beaucoup et ils n'ont pas autant de liberté que nous. Ouais. Déjà, nous, on est deux par cabine, il y en a qui sont quatre, dans la même cabine que nous, quoi, c'est la même taille. Donc, déjà, rien que ça, c'est... Ça, nous, on a accès à tout, en plus. On peut très bien aller se boire un coca ou manger une glace à la piscine là-haut, on peut aller être dans n'importe quel café. Le soir, on peut aller faire la fête en disco. Enfin bon, ouais, on a un peu l'impression d'être comme les passagers. Ouais, c'est cool. Je suis bien d'accord. Ouais, c'est cool la vie ici. Pour nous. Pour nous. C'est bon? Si, okay. Je t'assure. Allez. Attention, hein, ça glisse là. Magata Capone. Good evening. You wash? Tu vois, c'est toujours dégueulasse ici. Il les nettoie maintenant, les coursives, là? Lui? Ouais. À ce temps-là? Disons qu'il a... Faudrait les faire nettoyer plus tôt, hein? Il fait ça dans la journée, quoi. La vie de l'équipage est régie par un règlement strict hérité de la marine militaire. Celui de... En dehors de leur travail, les membres d'équipage n'ont pas le droit de circuler sur les ponts réservés aux passagers, ni même de se lier avec eux. Ils ne sont pas autorisés à consommer de l'alcool, juste une ou deux bières par jour. Et tout manquement à la discipline, au respect de la hiérarchie, aux règles de sécurité ou d'hygiène, est immédiatement sanctionné. J'ai demandé à ce qu'ils passent de la cire aussi de temps en temps. Là, c'est devenu le... Pas terrible, hein? Les officiers de bord effectuent régulièrement toutes sortes d'inspections pour faire respecter le règlement. Allô, inspection. Vous avez vu le message sur le nettoyage? Oui. Visiblement... Vous avez lu le message, mais ça n'a pas été spécialement enregistré, puisque c'est toujours dégueulasse. Bah, on a essayé d'améliorer par rapport à ça. Non, attendez. Ça, c'est à aspirer, ça. C'est à aspirer, c'est tout. Alors, vous demandez un aspirateur au chief steward, ouais. Et aspirer. Okay. Ça, là, tout le plafond, là, nettoyer toute la poussière, là, rien, rien. Tout ça, c'est dégueulasse. Hein? Mais c'est strictement nous qui le faisons. Il n'y a pas quelqu'un qui vient apporter les draps ou qui vient passer aspirateur ou... Ah non, non, non. Il n'y a pas de crew, pas quelqu'un qui est en charge pour le crew. Ça dépend des fonctions. Pour le staff, oui, mais pas pour l'équipage. D'accord. L'équipage, c'est eux qui font leur cabine. Ok, hein? C'est clair. Voilà. Bah, repasser peut-être dans un ou deux jours. Bah oui, dans deux jours. Ok, pas de problème, hein? Capitaine. Les bars, on fait une cabine des bars.
On va en faire plusieurs. Il y a une loi, un règlement intérieur, et si les gens l'appliquent pas, ben c'est ce qu'on leur donne un avertissement. Et au deuxième avertissement, ils sont donc virés. Et donc bon, obligé de faire quand même, de te dire compte de tout ça. Mais que ce soit pour la sécurité, mais aussi pour des raisons de nettoyage, pour des raisons de discipline, bon, voilà. Oui, 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 five. Cinq. Cinq. Devant, derrière, un. Deux. Trois. Four. Five. Oui, 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 six. Seven. Et puis, girare, tourne, et pam. One. Oh, si. Pardon. C'est rien. C'est ok. Très bon, je trouve. Si, mais. Venga, venga, apporte una pastilla. Je n'ai pas compris dans la pastilla. Ah, d'accord. Grazie. Grazie. Aspetto qui, Rita. Attendez. Le chauffage. Ouh. Ici, je trouve super ces cabines parce que bon, bah, c'est le seul moment où je peux voir le soleil qui m'éblouit et la mer. Donc c'est des super belles cabines. De ce côté-là, j'aime beaucoup. Quand on arrive près des côtes, c'est magnifique, c'est superbe. Sinon, toute la journée, quand on a fini les cabines, c'est sûr, quand on se retrouve au pont 4, on est avec les néons, la climatisation est terminée, quoi. On voit pas la lumière du jour. On respire pas d'air et voilà. Donc j'apprécie quand même faire les cabines, voir le ciel bleu et le soleil. Et... Bon, je suis contente d'être sur ce bateau parce que j'ai galéré pendant un an, il n'y avait pas de travail. J'ai eu cette opportunité sur le journal, donc je me suis précipitée d'appeler d'après cette annonce. Et puis j'étais acceptée et puis j'étais très contente. J'ai sauté de joie parce que bon, je me suis dit que j'ai du travail enfin. Et maintenant que j'y suis, ben, j'aimerais bien y rester. Mais en changeant un petit peu certaines conditions, parce que l'exploitation, j'aime pas trop se faire exploiter. Beaucoup trop de travail pour le salaire que l'on a. Vous gagnez combien ? $200 par mois, de fixe. Plus c'est pour boire ? Plus c'est pour boire, mais pour boire, bon, ça laisse un peu à désirer pour le moment. Pardon. Avec les pourboires, Marilyn gagne en moyenne 6000 francs par mois. Deux fois moins que ce dont elle rêvait et qu'on lui avait au départ fait miroiter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'était bien ? Très bien. Un peu chaud, hein ? Ah, mais oui, hein, le soleil, il est fort encore, hein ? Je suis tombée sur un caillou. Et puis, j'ai baigné comme ça. Ah, je me suis fait mal là et là. Mais j'ai du mal de marcher. Bonjour madame, s'il vous plaît madame, c'est à vous, si vous voulez bien me suivre. Vous me faites quelque chose de joli là, parce que j'ai le cocktail du First Club. Ah, allez, je vais vous faire un super pansement, sans bande, sans rien. Vous avez mis du coton, c'est pas bien. Oui, je sais, c'est la copine qui a mis ça, oui. C'est la copine. Vous ouvrez. Alors, un hématome au niveau du poignet. À chaque retour d'excursion, nous avons de la traumatologie bénigne. Heureusement, pour le patient, oui. Nous avons aussi, figurez-vous, des fractures. Alors ça, c'est moins drôle. Voilà. Et alors, ce sont surtout fait, les enfants. On ne va pas à l'hôpital ici, quand même. Non, mais on hospitalise. On hospitalise pour faire des radios de contrôle, ensuite faire des contentions. Les gens reprennent le bateau
au départ du bateau si on a le temps, ou alors ils nous retrouvent à l'escale suivante. Oui. C'est arrivé plusieurs fois. Oui. Tu vois de la chance. Bravo. Richard a 29 ans. Cela fait maintenant 5 ans qu'il travaille sur les bateaux. Il a commencé comme cuisinier et a franchi petit à petit tous les échelons de la hiérarchie. Une ascension rapide qu'il doit en partie à sa longévité sur les paquebots. Moi, je suis arrivé un peu par hasard sur les bateaux et pour l'instant, ça me convient très bien. C'est sûr que des Européens, des gens qui ont fait l'école hôtelière, etc. C'est un très bon passage et puis c'est de plus une optique de carrière qu'un gars qui vient faire la plonge. Mais qui vient faire la plonge parce qu'il a besoin d'argent et puis c'est tout. Rien. Mais bon, au moins ils le font bien. Au moins ils le font bien. Un nouveau bâton, nous, c'est 40. 40. Déjà, oui. Mais il y a un coup. Oui. Ah, bah oui, monsieur aussi. 57 au mois de novembre. Bonjour. Ah oui. Bonjour. Ah. Madame est où? Madame est là? Pardon? C'est madame, là? Ben oui, mon épouse, oui. Bien, alors. Alors, mes félicitations, madame, hein, parce que c'est dur. Ouais. Mais pas tout le monde. Si, tout le monde fête des anniversaires de mariage. Oui, vraisemblablement. Il y a des jeunes couples. Ça confirme que les gens font des croisières pour des occasions, des occasions en fait, particulières. Une histoire de mariage, mariage. Comment c'est le français? Comment la français? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Hey, where's the cake now? This is family, huh? Yeah. Sur quoi je me maquille comme une pauvresse, là, sur un petit miroir tout petit. Mais on commence petit. Ça, c'est le truc le plus gras du monde. T'as l'impression de te mettre du beurre. Mais ça cache bien les gros boutons que t'as à cause de la charcuterie. C'est pas par hasard qu'on choisit de partir. C'est gros changement. On décide de quitter tous les gens avec qui on vit tous les jours. La ville dans laquelle on a l'habitude de vivre aussi. Le pays dans lequel on est né. Enfin, c'est pas innocent, quoi. C'est clair, moi j'avais envie de bouger. Il fallait absolument... il fallait que je bouge, quoi. Ça s'est fait comme ça, c'était ce contrat-là, mais ça aurait été autre chose. De toute façon, j'avais l'intention de partir, quoi. J'avais des choses à régler de mon côté qui étaient importantes. Je viens d'avoir 20 ans et j'avais envie de fermer un livre, en fait, quoi. Dans mon enfance, dans mon adolescence, j'ai vécu des choses comme tout le monde et j'ai eu des histoires comme tout le monde. Et puis j'avais envie de tourner la page, de fermer carrément ce livre-là. Et puis maintenant je rentre complètement dans autre chose. Et, dans le monde adulte. Ouais, c'est un peu ça, je crois. Et toi, Gwen? T'as l'impression d'avoir grandi depuis que t'es arrivée? Hein? T'as l'impression d'avoir grandi depuis que t'es arrivée? Bah oui.
Déjà, j'ai quitté ma mère, c'est un grand pas. Je suis une grande fifi maintenant. Je pleure plus, bon, ça m'arrive, mais plus autant qu'avant, quoi. Et c'est... Je suis contente de l'avoir fait. Parce que telle que j'étais partie, accrochée au basket terrible, de ma mère comme je l'étais... Maman, arrête, je vais pleurer. Ça nous arrive, ça, entre deux spectacles. On vient ici, on s'écoute une petite musique bien tristoune. Et on pleure. On regarde les petites photos, là, partout, parce qu'il y en a quand même partout. Et on pleure, maman. On est des grands bébés. Une sirène et le bateau appareille pour Gênes, son port d'attache. Pour René et Maurice, c'est la fin du voyage. Je mets dans mon sac, moi, le mien. Je l'embarque ici, moi. Avant de partir, il leur reste encore une chose à faire. Remplir consciencieusement le questionnaire de satisfaction. Oh, on était très contents. Le navire, comme il est français, par lui-même. Il est très beau. Très bien. Fabriqué en France. Propreté. Bien, très bien, impeccable. La croisière a fait l'unanimité, seul point noir, les pourboires. Ils ont dû débourser 700 francs par couple, une somme plus importante que ce qu'ils avaient prévu. Mais je pense que si le pourboire n'est pas suggéré, très peu de gens en donneraient. Mais c'est pas suggéré, c'est obligé, là, presque. Oh, oui. Pourboire, dans le temps, c'était pour aller boire un coup et se désaltérer. Oui, et là, ils devraient l'appeler pour vivre. Oui. Quand on sait qu'ils ne sont pas bien payés, mal payés, donc, on a mauvaise grâce, ayant payé une somme relativement élevée par rapport à eux, pour la croisière, de ne pas leur donner un petit quelque chose. C'est mesquin. Non, il faut trancher. Ou c'est net, ou alors vous dit carrément, comme ça arrive dans certaines choses, à la fin, pourboire obligatoire, temps par jour. Oui. Point final. Voilà, vous savez où vous allez. Note générale sur 20. 19. 19, pour ne pas dire 20. Entre 18 et 19. Entre 18 voilà. et 19. 18 et 19. Voilà, exactement. C'est bon. J'allais mettre un demi-point. Voilà, très bien. Voilà. Et alors, tu rajoutes, peut faire mieux ? Non. On peut toujours faire mieux. Quelques semaines ont passé, et les choses vont mieux pour l'équipage. L'organisation est plus rationnelle, les horaires de travail moins lourds. Aujourd'hui, l'emploi du temps de Marilyn lui permet de sortir et d'aller se détendre. Celui-là, il est cassé. Ils sont tous cassés. Il n'y a rien pour nous. Hein. Ici, nous sommes au Poncette pour l'équipage. C'est notre piscine et notre petite terrasse de bain, l'avant du bateau. Un petit coin pour nous, pour prendre un bain de soleil. Et puis là, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de vent. Et tranquille, une petite sieste au soleil. Il faut avoir un peu de patience, mais ça commence à bouger déjà. Il y a déjà eu 2-3 petites fêtes. Bon, aujourd'hui, je me mets à la piscine. C'est ces bons moments qui nous font tenir le coup avec le travail que l'on fait. Nadia, tu viens à l'eau ? Ce long gros tableau pour Marilyn, dans quelques jours et après 4 mois passés à bord, son contrat prend fin. S'il n'est pas renouvelé, elle devra quitter le bateau. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, si c'est une piscine ou une baignoire. Plein les yeux, dis-moi. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Là-haut, regarde. Tu vas pouvoir aller là-haut. Tu as un annonce. Oui. Ok. Did you hear something? Huh? Did you hear something? Not yet. So, there's no reason to go upstairs with your life jacket. You heard something? No. So, go back in your cabin. I don't want to see any life jacket here. No life jacket. You heard something? Signal? Yeah. No? Go back in your cabin.
Pour bien se préparer et exorciser l'angoisse de l'accident ou de l'incendie à bord, deux à trois fois par semaine, on simule un scénario catastrophe. Bon, ça va être sympa. You discover a fire here, what do you do? I'll see that the alarm is... Where? They've been set. What do you have to do? To inform the bridge. Inform the bridge, yes. How do you inform the bridge? Telephone 5000. So, find the telephone, call the bridge. Do it, action. It's very clear. Yeah, there's a fire in the staff mess. Yes. Yes, on deck 4, on deck 4. Yeah. Nous allons procéder à l'ouverture des portes de feu. Veuillez à l'instant de ces portes. Nous allons procéder à l'ouverture des portes de feu. Commandant, second capitaine, donc l'équipe numéro 2 est dans la bunker station avec une manche en protection et l'équipe numéro 1 s'apprête à rentrer dans le staff mess. The fire is not under control and we will have to evacuate the area. Nous allons procéder à l'exercice d'abandon. Cet exercice ne concerne pas les passagers. Même s'ils ne travaillent pas, les membres d'équipage ont l'obligation de rester à bord et de participer aux exercices de sécurité. Il y en a qui s'en passeraient certainement, hein, surtout quand on est en escale comme ça, surtout quand il fait très beau, ils ont envie de sortir. Hein, on les bloque à bord en après-midi. Mais d'un autre côté, on est à bord d'un navire, s'il y a un problème lorsqu'on est en mer, on ne peut pas espérer avoir de l'aide depuis l'extérieur. Donc on est obligé de faire ça, c'est pour notre propre survie. Ça va pas durer longtemps, là, c'est bientôt fini. J'ai envie de m'asseoir. C'est pas le jour, là. Et il paraît qu'on fait la même chose demain. Pero soy de Vigo, me adueño el malpite y mi nombre es Pedro. Borriquito como tú, burumú, que no sabe ni nada, burumú. Ay, borriquito como tú, burumú, yo sé más que tú. Good morning. Richard réunit aujourd'hui les cadres de son équipe. Les dysfonctionnements du début sont maintenant de l'histoire ancienne. Il souhaite désormais travailler en profondeur pour améliorer la cohésion et la solidarité. I prepare something for you. I know you like that. I'm gonna make a little game. So I need 5 volunteers. Nicolas, thank you. I have 1. Mr. Santos, thank you. I have 2. Oliver, the chef, thank you, very good. I have 3 already. 2 more volunteers. Volunteer. Bravo, bravo. You need to clean the table. You guys, you are observer. Hein? Don't think you can go back to sleep. It's very important that you look what's going on here. So I'm gonna give you, each of you, 1 envelope. Wait. Inside the envelope, you have a little piece of carton, okay, like a puzzle. Each of you, you have to make a square. The game is finished when everybody finish his square. All the square have the same size. You're not allowed to talk. You're not allowed to make a sign. You are allowed only to give a piece to somebody. So, top chrono, vamos. The other guy will look, okay? Shh.
Mais souvent, on fait des petits jeux de... qui sont faits justement pour ensuite mettre en valeur ce que c'est qu'un groupe et puis le travail en groupe. J'essaie d'éviter d'être le directeur qui est là, vous faites ci et puis vous la fermez parce que c'est moi qui commande. Hey, you don't talk! Le groupe existe déjà, il y a déjà une bonne ambiance dans le groupe. Mais c'est pour encore mieux. Ah, 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 ah. So you finish? I almost kill your leg here. I almost kill your leg here. For Caputana. Ah, they do the so legs. Let's check. Yeah, this one is good. A, B, A, G, H, A, C, C, D, F, F, E. Okay, good. No, no. If we put this game now in the reality, in the work, in the reality where we are here, we all supporting each other here. Two pair of eyes is better than one. No, today we won the game, and we have to win the game every day. And to win the game is everybody together. Okay? And I can tell you that this works. It makes results. It makes results that we have no fear of a captain inspection in the galley because we know that we are ready. And we have no fear whether the passenger is the ship is fully booked with plenty kids on board. We don't care. We are ready. All right. If you talk now or never, okay. Thank you. Bye bye. Allez, vamos. Thank you. My envelope. Une certaine routine commence à s'installer. Ils connaissent maintenant bien leur chorégraphie. Et d'une semaine à l'autre, ce sont toujours les mêmes spectacles qu'ils présentent aux passagers. Attends. Il y a Charlemagne avec des cheveux. Ça, alors on dit qu'on reste sur le Mistral jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Attention, oui, mais... allez. Elle était belle. Pas la moquette. Elle en aura vu toutes les couleurs cette moquette. Des cheveux, des. Tu bois, ma fille, bois. Tu sais pas qui fait de boire avant. Ma Starbucks. J'ai pas spécialement envie d'entrer à Paris, de faire enfin, comme je faisais avant, ça me dit pas quoi. Moi j'ai envie de bouger là, ça m'a donné la niaque. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, même pas sur un bateau, parce que de toute façon j'ai pas envie de remonter sur un bateau. Donc, la première fois que j'étais montée sur le Mermoz, j'ai dit plus jamais je remonterai sur un bateau. J'ai fait quand même. C'était pas bien aussi. La première fois c'était vachement bien. Mais après je suis retournée l'été. En plus, l'été, on m'a dit, si tu veux partir l'hiver au Brésil, je suis partie au Brésil. Et après, me voilà sur le Mistral. Ouais, mais non. Ouais, mais ah, mais non, mais moi aussi, je disais pareil. Je disais non, mais bon, ouais, mais voilà, parce quoi. Que toi, cabaret, c'est ce que tu aimes. C'est aussi ce que nous, tu c'est fais, pas ça, quoi. Paris, quoi. Ah oui, c'est la comédie musicale. Voilà. Non, mais ouais, voilà, c'est ça. Après, puis bon, même, je sais pas, ça me plaît, quoi, d'être sur le bateau, c'est pas le problème, quoi, mais... Je sais pas, tu t'es trop... C'est grand et c'est petit en même temps, quoi. Et tu... Ah bah c'est clair, t'as vite fait le tour. D'un moment, même si t'es sur la mer et tout, t'étouffes carrément. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais. Il y a pas de guitare. J'adore. Mets du son. Somebody save me.
le contrat de Marilyn s'achève aujourd'hui. Son seul projet d'avenir est de pouvoir revenir travailler sur le bateau d'ici quelques semaines. Ses supérieurs lui ont laissé entendre qu'il pourrait alors la reprendre comme femme de chambre. Je débarque aujourd'hui. Je prends un mois et demi, deux mois de vacances. Et qui ne sont pas payés, bien sûr. Donc, j'espère revenir. J'espère revenir le plus vite. Et ça, vous le saurez quand ? Tout à l'heure, je pense qu'on va me le dire quand même dans une heure, juste avant le débarquement. On va vous dire quoi ? Bah, on va me dire si je vais rester ou pas. Et ce sera la plus grande surprise. Ça vous angoisse un petit peu ? Un peu, oui, parce que j'ai besoin de travailler. Et puis on travaille beaucoup jusqu'à la dernière minute, là. J'aurais juste le temps de me changer, peut-être même pas prendre de douche. Mais j'espère y arriver à prendre la douche. Parce que ils nous font travailler jusqu'à la dernière. Hello? Don't wait for elevator. Don't yes. wait for elevator. Elevator crash and luggage now. Yes. The luggage. Take the other one. Au revoir, merci. Arrivederci. Adios, gracias. C'est au revoir. What number is behind? What number there? Take this back. 80, yeah, 1 second. La clé? Mais? Ça, c'est... Pour la section. Peut-être. On nous a rien dit, Jean-Paul. Il a dit bonjour et au revoir et il nous a rien dit. Non, il devait nous le dire aujourd'hui, en tout cas à moi, et me donner un papier, un certificat, et il m'a rien donné. Alors je sais pas, j'en sais rien du tout. On nous largue comme... Ça craint, ça. Ouais, ça craint. Il a rien dit hier. Alors on sait pas. On va sortir là et... On va nager. On va nager. Bye bye. À bientôt peut-être. Hein, see you on... When? November? November, normalement. Yeah, take care, hein. Mais pas sûr. Yeah. Non sûr. Take care. À bientôt. Have a nice trip home. Thank you. Bye. Now you speak English. Yes. Je suis un peu paumée parce qu'on nous dit pas si on revient, si on revient pas, si on nous largue quoi. Avec tous les efforts qu'on a fait depuis le début, depuis Saint-Nazaire et maintenant, ben, personne ne nous parle, personne ne nous fait un sourire, personne nous... En tout cas du côté des responsables et des chefs et tout. C'est dommage comme ils nous traitent. Ils pourraient au moins nous dire quelque chose, nous dire que peut-être éventuellement on va vous rappeler, on vous fait revenir ou pas, mais là il n'y a rien, rien. Marilyn a quitté ce jour-là définitivement le bateau. Elle reste depuis sans nouvelles de son ancien employeur. Nous désirons vous informer que dans 15 minutes, nous allons passer la ligne imaginaire du tropique du cancer.
Pour cette occasion, vous allez entendre les sifflets du bateau. Deux mois ont passé. Le Mistral entame son sixième mois de navigation. Allô ? Les destinations ont changé. Le bateau va bientôt rejoindre les Antilles. L'équipage, lui aussi, a changé. Un quart de ses membres en fin de contrat a été remplacé. Clarisse est toujours là. Elle a rencontré Marco, le chef de l'animation sur le bateau, et file avec lui le parfait amour. Richard aurait dû rentrer chez lui à Lens pour un mois de vacances. Mais faute de remplaçant, il reste fidèle au poste. En ce moment, notre infirmerie, elle est déjà aussi pleine. Quant à Papus, le clown, il a prolongé son contrat. Il a re-signé pour 6 mois de plus sur le bateau. So, Christian. Voilà, c'est le dieu de la mer Neptune qui est porté par Lisette et Gwen. Aujourd'hui, tradition oblige, tous les passagers dont c'est la première transatlantique doivent se soumettre à un baptême d'un genre un peu particulier. On va nettoyer un peu les oreilles, là. Ha, 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 ha. Voilà. Tout de suite, ça va déjà mieux, hein. Ouh. Ça va, Francis? Pour les 6 mois à venir, goûte, Papus goûte. Va Allez. Continuer à faire le clown lors des embarquements et des débarquements des passagers. Il va aussi continuer d'animer une fois par jour l'atelier cirque pour les enfants. Ok, parfait, ça, c'est bien, ça. Mais ouais. Dans son nouveau contrat, il a négocié de pouvoir monter sur scène pour faire ce dont il a toujours rêvé. Un spectacle de chansons françaises. Tu vois ? Ok ? Regarde, je t'accompagne. Hop ! Dans sa carrière, okay. Papus a connu des hauts et des bas. Le bateau lui offre aujourd'hui une période de stabilité. Et un, et deux. Moi, ce qui me concerne, c'est bien parce que ça me donne envie de travailler. Quoi. Je suis dans le confort quoi. Sur Terre. Il faut que j'aille chercher des contrats. Il faut que je secoue mon agent artistique pour qu'il me trouve des contrats. Tandis que là... Pendant 6 mois, ben, c'est peinard. Alors le danger, c'est qu'on est déconnecté de la Terre. Ça, c'est un peu le danger, mais enfin, bon... Ouais, on est déconnecté, ça c'est vrai. Ouais, ça vient, c'est bien. Clarisse a maintenant plus de 200 représentations en public à son actif. Elle a gagné en rigueur et en professionnalisme. Chaque soir, Marco est là pour l'encourager. Là, je la limite, là, le trac. Tu vois, avant le cancan, j'ai un peu peur. Pourquoi ? Parce que ça fait mal. Ça fait mal et on est... Moi, j'ai toujours l'impression de jamais être assez chaude, donc je me dis toujours que je vais m'exploser et en fait, à chaque fois, ça passe, quoi. Mais bon. Oh. Des petits tombées en grand écart, il me faut un peu peur quand même, des fois. Puis c'est essoufflant, c'est... ça dure quoi 5 minutes, mais j'ai l'impression que ça dure une demi-heure, quoi, à chaque fois. Thank you.
Je veux pas enlever ma robe de cancan. Enfin, je vais pas finir le spectacle en cancan. Attends, doucement. Doucement, tu te casses tout. Doucement, tu te casses tout. Non, ça marche pas. Attends, ça marche pas. Clarisse et Marco profitent de leur dernier moment d'insouciance. À la fin de la semaine, Marco termine son contrat et retourne à terre. Je te rappelle dans 10 minutes. Ouais, d'accord. So, we receive a fax. You have to call your family. The fax from Miami. They don't say more than that. You had any problem at home? Somebody there? Yeah, my daughter, because they operated his heart. Ah, your daughter? Yeah. When did you do the surgery? Supposed to be this month. This month? Yeah. But when it was the last time you called home? Last 2 weeks already. Last 2 weeks? I'm not sure if I called them now. I don't have any card. Well, they didn't give more news than that. Just that you have to call. Now, if you want to wait Saturday, it's up to you. But yeah, I try. Okay. Thank you very much, sir. You're welcome. Don't worry. Yes, sir. Maybe it's good news. Maybe. Bah, ça arrive souvent. Ouais. Déjà, c'est le deuxième pour cette semaine, oui. Souvent, quand il y a des fax comme ça, derrière, il y a un départ parce que la famille, elle faxe pas pour dire que tout va bien. Quand ça arrive comme ça, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien, justement. Bon, c'est sûr que c'est ça le problème des gens qui travaillent sur les bateaux. Encore là, ça va, le fax est bien arrivé. La nouvelle a été vite. Mais en général, c'est pour un décès ou alors un décès proche. Des gens qui ont des gens malades chez eux, très malades. Puis ben, il faut qu'ils rentrent. Puis en plus, là, ça tombe mal. On est en mer maintenant. Demain, on est en mer. Ça fait encore 24 heures de perdu. Il faut espérer qu'il essaie d'appeler du bord, qu'il arrive à avoir la ligne. Seulement, les Philippines, c'est pas la porte à côté. Hein. Enfin. Là, il y a des chances. Il y a des chances que le gars demande à partir cette semaine. On verra bien. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les filles mortes se ramassent derrière. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la peine, les souvenirs et les regrets aussi.
Le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. So Violetta, how are you tonight? I'm okay. Always you're okay, Violetta. Yes. Huh? You are the pretty girl of the so, yeah, sure. Thank you. Kedar, Kedar. There is a French song with Violetta. Okay. Yes, as a, this song is like this. Violetta, mon amour, de toujours. One time I sing for you this song, if you want. Yeah, really, sure. No, no, no. Promise. Il y a une vie affective qui est quand même qui est au minimum. Hein. On tourne au minimum hein, sur un bateau. On est là, on est au minimum. Quoi. C'est comme un moteur, on le fait tourner au ralenti. Quoi. Moi, j'ai entendu dire, je ne dis pas que ça pourrait être mon cas, mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui peuvent tomber amoureux d'une passagère qui va raconter. On va rencontrer une passagère, on va sympathiser. C'est quelqu'un de bien et il y a un échange, on a envie de se revoir. Et là, bah, on ne se revoit plus. Là. Hein, même si ça n'est rien passé. Bah, et, il peut y avoir des échanges comme ça, des relations, des moments forts. Et c'est un peu la chanson de Brassens, toutes ces passantes qu'on a laissées passer, qu'on n'a pas su retenir. Ben là, on ne peut pas les retenir. De toute façon, elles s'en vont. Oui, la vie affective, elle peut en prendre un coup, c'est vrai. Surtout quand on est là pendant plusieurs mois. Là, il faut au niveau caractère, se forger un caractère. C'est pas simple, même si on se forge. C'est une histoire qui vous est arrivée ? Ouais, moi, ça m'est arrivé. Ah ouais, bien sûr, ça m'est arrivé, et bon, bah, ça apprend des choses, ça apprend à se dire que, bah, le cœur, il faut pas le laisser parler comme ça tout le temps, ou peut-être il faudrait, ou on peut pas toujours faire des folies, on peut pas se dire je m'en vais, puis non, il y a le travail qui est là, bah ouais, bah, ça m'est arrivé, je suis tombé comme ça amoureux, une passagère, elle aussi, c'est même rien passé, on s'est écrit, puis bah, un jour, pouf, ah non, on peut pas être sur le bateau, on peut pas être sur terre, on peut pas être au four, au moulin, il y a un choix. Voilà. Mais bon, on n'est pas malheureux quand même. Faut pas me faire dire qu'on est malheureux. Non, non, on peut l'être, bien sûr. Parce que c'est dur, parce que c'est pas simple. C'est pas simple, mais bon, c'est le jeu. C'est un jeu. Sac ou à la main? Lorenzino à la main. Attends, je regarde. Cher, elle m'aide à faire mes valises. La pauvre Loulou. Non, mais en même temps, tu vois, je regarde, c'est des trucs qui me plaisent. Après 6 mois passés à bord, Clarisse a décidé de quitter le bateau et de redescendre à terre. Bah, attends. Et pas moi, celui-là. Clarisse ne veut écouter que son cœur. J'aurais jamais dû venir avec toi. Elle part sans avoir pu vraiment économiser, sans véritable projet. Pour vivre pleinement et sans contrainte son histoire d'amour avec Marco. Je me garde des fringues pour demain. Bah oui, puis ce soir, va nous prendre. Attends, alors on va s'en. T'as pris le blanc en bas ? Non, mais attends. Il restait à Clarisse encore 5 mois de contrat. Ah ouais, tu vas attraper ma crève. Regarde. Je peux, moi. Je pars en vacances. Je vais savourer mes petites vacances. Peu cher quand même, regarde. De toute façon, t'aurais fait pareil que moi si t'avais rencontré un petit chéri avec qui t'étais bien. Bah oui, certainement. Certainement. Je sais pas. Non, je sais pas, ma situation est différente de la tienne, on pense pas pareil. Et... Je sais pas. Tu crois pas si t'étais avec quelqu'un
vraiment et que t'es bien, quoi. Et tu sens qu'il y a un truc, il y a un feeling qui est, que t'as jamais vécu avant. Tu crois pas que t'aurais... Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Et tu verras, quand tu vas débarquer, si ça te fait la même chose que moi, c'est bizarre, quoi. Tu prends trop de recul par rapport à tout, quoi. Tout la, le fonctionnement, quoi, du bateau et... putain. Si je pars maintenant, justement, c'est que c'est encore le bon moment pour que je dise que, ça, que j'ai passé 6 mois super et tout. C'est justement peut-être si j'avais attendu un peu plus que ça serait devenu un bateau de merde, quoi. Là, là je le pense pas, quoi. C'est, c'était 6 mois excellents. Mais j'ai un peu envie de faire autre chose. Il est vrai. J'ai envie de passer à autre chose, quoi. J'ai envie de m'arrêter, j'ai plus envie d'être sur l'eau. Non, mais j'ai plus envie de... Ouais, ça me gonfle, quoi. Ça... J'ai pas envie de changer d'endroit tous les jours. C'est super pendant 6 mois. Et ce sera peut-être super à un autre moment de ma vie, je sais pas. Peut-être que j'y reviendrai, mais là, pour l'instant, j'ai envie de m'arrêter. Basta cosi. Basta cosi. Ça suffit, là. Garde, comment je te gère ça. Good evening. Hi. Comme les mecs de la nuit, ils travaillent pas le jour par définition, c'est bien de venir les voir de temps en temps. On va voir un peu ce qu'ils font et puis... C'est agréable de voir la cuisine vide, sans bruit, comparé à la journée. When are you gonna do that? After this. After the day. Okay. Bon. J'aime bien être seul. C'est un peu paradoxal quand on dirige 200 personnes, mais non, c'est comme tout le monde. On est toujours dans la foule, on est toujours avec des gens et c'est vrai que des fois, de venir s'asseoir ici 10 minutes, ça fait du bien parce que on souffle un peu, quoi. Parce qu'il faut, on est toujours en représentation, hein. On est en représentation devant les passagers, on est en représentation devant son personnel. C'est sincère, mais c'est vrai que des fois on a besoin d'arrêter un peu et puis de souffler. C'est sûr qu'ici c'est pas une vie d'homme marié ou de femme mariée. Hein. Et tout le temps qu'on est célibataire, on arrive quand même à gérer. Et c'est sûr que le jour, si un jour je me marie, dans l'optique de faire une famille, j'arrêterai les bateaux. Hein. Il y a de grandes chances parce que ça me paraît incompatible. The
2 heures moins le quart. Fin de la journée, fin de la croisière. Demain, on recommence. L'embarquement, la livraison des produits pour la nouvelle croisière. Grosse journée demain. 4 heures à dormir. Là. Alors, on va réattaquer à 6h, 6h30. On verra bien. Et voilà ma suite. Bah, c'est la vie qu'on a choisie. Hein. C'est la vie qu'on a choisie. Ça va, là. On n'a pas à se plaindre. On travaille sur un bateau neuf. On est au soleil. Non, mais là, ça va. C'est la vie. C'est la vie de bateau, comme on dit. Ah, du stress, il y en a. Hein. Le bateau, il va à 20 nœuds, nous aussi. Mais à terre aussi, ils ont du stress. Bah, je pense 5 minutes. Ah bon, ça y est, vous avez tout fait, vous aussi? Non, ils sortent, bah, 10 minutes. J'arrive. Hein? C'est un problème, tu m'appelles, j'arrive. Okay. D'accord, il y en a un qui touche un seul de tes cheveux, tu me l'es. Je suis là, d'accord? Allez, ma chérie. Bon. Enfin, pleurer comme des bêtes pendant des années. Grande est pas la mal. Tu continues à être la plus belle, hein? C'est terrible. C'est l'hécatombe là aujourd'hui. Hein. Une tête de poisson lune. C'est pas ta tête de poisson. Que le matin. D'accord ? Je m'en arrête juste, qu'il coupe les cheveux aussi. Ça va être bien, tu vas voir. Et je suis sûre que dans 2 jours, je te manque pas. Moi aussi. On les envie, les gens qui débarquent. On les envie. Je suis venu ici pour travailler, pour faire de l'argent aussi, il ne faut pas le cacher. Je suis venu pour chercher quelque chose, j'ai fait un travail en profondeur, je fais le point sur moi-même. Quand je vois les gens débarquer, ben, je me dis que ça va être mon tour, que moi aussi j'ai trouvé ce que je voulais. Et que je vais être heureux après de retrouver mon petit monde sur la Terre, parce que la vie, elle est sur la Terre, faut pas se leurrer, la vie, elle est sur Terre, avec ceux qu'on aime. Et donc, je les envie pour ça, parce que je me dis, ça va être mon tour bientôt. Voilà, la parenthèse, elle est terminée. Le point, il est fait. C'était bien. Puis, ça sera peut-être encore bien, peut-être qu'on y retournera sur le bateau. Allez savoir, c'est peut-être une thérapie. Bon, on va être bien à la cabine tous les deux.
Son tus besos de este mes. Arrête, peut améliorer. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, son tus besos, mi locura, mi delirio, me estremece.